Ce premier enfant, la chanteuse ne l'espérait plus. Pourtant, une petite fille est bien en route. Et la future maman vit une grossesse idéale, pas de nausées, pas de suivi particulier, comme quoi, la nature est parfois bien faite, même à 43 ans, a révélé la célébrité, ravie, sous une série de photos publiées sur Instagram, ce samedi 14 octobre. Ne jamais perdre espoir ou apprendre à lâcher prise, difficile de choisir quelle leçon tirer de l'incroyable aventure traversée par l'interprète de Je vais t'aimer, qui attend son premier enfant. Je désirais cette maternité depuis tant d'années que je commençais à me faire une raison, et finalement je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent, avait-elle écrit sous une première publication Instagram, mercredi 21 juin, qui annonçait la grossesse tant espérée. Et d'ajouter, ce samedi 14 octobre, que dire sinon que j'ai vécu cette parenthèse enchantée comme un cadeau de la vie. J'avais complètement lâché prise et m'étais résigné. La future maman a ensuite fait une belle déclaration à sa fille, qu'elle pourra tenir dans ses bras dans quelques semaines, dans moins de 3 semaines, tu seras dans mes bras, mais je suis déjà comblée de t'avoir porté en moi comme autant d'amour qui a grandi de jour en jour. Oui, c'est de l'or que tu mets dans mon corps, ma choupette de déjà 3 kilos de bonheur, ont pu lire les abonnés. Un message très touchant délivré par celle qui préfère garder l'identité de son compagnon secrète. Dans les colonnes de France dimanche, Evangelis s'était déjà exprimée à propos de sa grossesse. Au mois de juillet dernier, j'avais complètement lâché prise et m'étais résigné. C'était donc d'autant plus magique que je ne m'y attendais plus du tout, avait-elle annoncé avant d'ajouter, pétillante, je touche du bois, mais pour l'instant j'ai une grossesse idéale. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Cédric Perrin.